Non, 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 non. Pourquoi aucun attaquant? Ah oh ouais, merde. Non, 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 non. Ah ouais, merde. Et lui, il fait la même chose que nous. Ah bah, on a gagné cette partie, du coup. J'adore. Ouais, je l'ai vu. Ah, viens, je le devance, je concède avant lui. Vas-y. T'imagines? Ah, moi, viens, mais... juste pour... Tu sais que j'étais chaud. Attends, juste pour le choquer. Pour le plaisir. Un heureux, il est content. Ah oui, c'est vrai. Nous, on fait plaisir dans cette vidéo. Eh, on ouais. donne comme on ça. On se fait plaisir. Oui. Comment on cherche pas à les lunettes, elles sont marrantes. J'avais pas remarqué. Il doit être trop heureux. Oui, il doit se dire... Il a les lunettes de Naruto. Mais en fait, c'est des lunettes fermées avec juste un petit trou. Je sais pas si t'as vu. Du coup, est-ce qu'on peut faire une vraie partie, Val? Eh oui. Non, du coup, on la concède parce que s'il fait un Mulligan à 3, on va pas jouer la guerre. Pas intéressant. Quoi. C'est pas intéressant. Et en plus, ça lui fait plaisir parce que je pense que c'est très rigolo de descendre à une main à 3 de rager et de voir que le mec te la donne. Tu te dis, oh bah tiens. Oh bah c'est cool, eux, ils sont gentils. Eux. C'est pour toutes les fois, il aura pas eu de chance. Voilà. On la lui donne. C'est marrant, Gideon aussi, il a une tête bizarre. En fait, ils ont sont mis tous un même. En train de ils sont bien même dans en fait, c'est des stats différents de Yesh. Genre, Karn, c'est trop tard. Gideon, c'est en train. Genre, lui, il est sur les cabinets, quoi. Mm. Cabinet, expression de 1960. Il est sur les water closets. Oh mon dieu. Les water. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah oui, ça me rappelle cette vidéo de ce japonais, il me semble, qui s'était entraîné toute sa vie à couper des légumes avec des cartes en les lançant comme ça, genre. Hey! Et il coupait vraiment, genre il suspendait des concombres ou quoi, il les coupait avec des cartes genre de jeu. Ouais, juste des cartes. Et 54 cartes. Il était très bon quoi. Et il a passé des années à faire ça, et je me dis, mais est-ce que le mec a passé des années pour épater ses potes et pour faire passer à la YouTube. Délai? Ou alors, vraiment, enfin. Il avait un intérêt dans la vie de tous les jours, c'est ça que tu ouais, veux dire? Ouais, voilà. Parce que sinon, t'as perdu un temps fou oui. à faire ça. Non, mais moi je te le dis d'avance, il a perdu un temps fou. Sinon, t'as l'autre ambiance que New York sous la neige, c'est l'ambiance ranch. Ranch américain. Pareil, quelqu'un qui doit aller dans un ranch au début, ouais, c'est une personne de la ville, tiens, nettoie de la merde. Et ils font, oh non, je nettoie de la merde, je suis une personne de la ville. Et après. Et après, la finalité c'est, en fait, j'aime bien nettoyer la merde. Et le mec il fait, waouh, quelqu'un de la ville qui aime nettoyer la merde. Oh, incroyable, ton cœur est pur. Tu acceptes de faire ça? De ne pas dormir et de gagner une misère pour faire ça? Et nourrir ton pays? Bien sûr, je suis patriote. Waouh. Enfin. Ça, tu me fais pleurer, quoi. C'est tellement triste qu'on raconte. Triste et joyeux à la fois. Oh, c'est beau, quoi. On en est à faire des tricks de bas étage. Mais on en est là, quoi. C'est là, c'est les tricks de sous-sol, mec. Ouais. C'est-à-dire, t'allumes la lumière, ils font « N'allume pas la lumière, n'allume pas la lumière !» T'éteins la lumière et t'entends, il y a un trick. Oh, ça me ferait rêver qu'ils laissent passer Gigantosaurus et qu'on gagne. Ouais, ils se disent « Bah, de toute façon, il bloquera pas, hein, je pense. Hein. » Bah, moi, je pense que si. Ça piétine pas. Non, mais non. Il peut pas c'est se douter qu'on joue ça. Textless, mais fort, quoi. Il se dit « Ouais, ah bah, s'il joue Splaf, GG. » Pour te dire à quel point il peut pas se douter, je savais même pas que cette carte existait, quoi. Vas-y, sauce-le, mec. Mec, ça va être incroyable. Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts, hein, je vous le dis. On a Broly à côté de moi, là, je vous le dis. Hein. Oh putain, le con. Tue-le. Vas-y, Broly, tue-le. Comme disait Shao Kahn. Achève-le. Ah. C'est comme ça qu'on sauve ses mots de rouge. Il peut avoir Negate en deux, pour deux rouges. Eh non. Eh non. Est-ce que tu es prêt à révéler au chat entier qui est Karl? Ou pas? Tu peux ne pas le faire, hein. Je vais leur dire qui est Karl. Dis-leur donc. Alors ce soir, on reçoit El Famoso. El Famoso Karl. Dites bonjour à Karl. Attends, je peux faire mieux. Non, ne fais pas, c'est interdit, gros, ça va, déjà que je veux bien donner de ma personne. Mais ils voient pas, là. Non, c'est pas grave, ils ont qu'à imaginer. Hop. Non. Ils ont qu'à imaginer, c'est bon, allez, oh, attends. La théorie du pané, c'est ça? Ouais, le pané. Le pané qui est un prank patate, quoi. Tu te sens pranké, alors que moi, je trouve que c'est ok, le pané. Hein. Ah bah non, si, en fait, c'est ok, le pané, mais si tu penses manger une patate, forcément, tu te dis en mode... Mais de toute façon, une patate, de base, c'est pas ouf. Oh, c'est ouf une patate. Non, c'est pas ouf une patate. Et mec, pour je suis désolé, le je gosse, plein d'ennemis. Le gosse des années 2000 que je suis, une patate c'est ouf quoi. Mais ce que tu fais avec une patate, tu vois.
Genre les frites, les chips, tout ça, c'est ouf. Mais genre juste une patate comme ça, c'est nul. La meilleure racine de tous les temps, la patate. Moi, je trouve ça nul. Enfin, nul, j'en mange, tu vois, je suis content. Insultez-le. Mais genre, imaginez, vous faites une raclette, mais vous mangez que la patate. Vous trouvez pas ça nul? Ouais, mais imaginez, vous faites, vous faites une raclette, il n'y a pas de patate. Prends les choses dans le bon sens aussi. Non, mais le bon sens, contextualise. C'est la patate unique. On va faire un truc, la prochaine fois que vous faites une raclette, vous mettez un pané. Voilà. Ah non, mais vous dites pas aux gens, vous dites pas aux gens, vous dites ouais, c'est une patate. Non, tu mélanges tout là. Ouais, j'ai pas dit remplacer les patates par les panées. Prank, custa prank. Instant. Je joue ça ou pas? Le cerveau pense que c'est une patate, mais ça j'ai perdu en bouche. Pourquoi je joue? T'as perdu, bah, parce qu'on dit des choses, voilà pourquoi. Voilà. Donc on peut pas se prendre ce qu'on est en train de se prendre, je vais concéder, ça m'a bandé. On vient de sortir de 4 games dégueulasses, on a été obligé de cutter cette vidéo. Et la première qu'on lance, le mec il nous arrose avec sa merde. Combien de points de vie? Il nous arrose avec sa merde. 7 francs, ouais. Ah oui, 7 francs, parce que 7 euros, c'était quand même bien cher pour le début du jeu. J'ai donné un jeu au petit frère d'un pote, 40 bilans des deux mox. Pardon? Ah tu ouais. Sais que s'il les a gardés précieusement, il est riche ce type. Oui, il a beaucoup d'argent. Je pense que moi, je retourne le voir, je fais, hey, t'as toujours les cartes? Salut, tu sais le truc nul là que je t'ai passé? Non, parce qu'en fait, c'était pas... Ouais, c'était pas fou. On va chercher. Il ne les retrouve plus. Non, ça, c'est ce qu'il dit. Ouais, ouais. Il les a retrouvés. Bah, d'ailleurs, regarde sa nouvelle bagnole. Si elle coûte à peu près 40 000 balles. Il est arrivé dans un Cayenne et il a dit hein, ça ? Oh, je vais faire un petit CDD là, l'été, tranquillou. Tes cartes, tu ne les retrouves plus par contre. Hein. Que tu joues beau jeu, tu vois. Esper et tout. Lui, ah ouais. Il joue. Enfin, beau jeu là, on est plus sur du copie de jeu caca, quoi. Ça, c'est le Parisien qui va faire un tour en banlieue là, ce que tu fais là. Tu vas avoir du pays, quoi. C'est ça. Tu vas à la campagne. Alors, c'est comment chez vous? Vous avez l'eau? L'eau, vous avez? Oui. C'est marrant. Oh putain. Il essaye, il a raison. Comment que ça n'a pas le piétinement quand même, cet enfoiré hein. En même temps, il n'y a plus de place sur la carte. Hein. Regarde, déjà, il faut descendre pour tout lire. Eh ben écoute, on va juste te donner un caca. Et voilà. Un humain, c'est un caca. Mais j'avoue, on dirait pas. Regarde, il a un petit châle et tout, genre. Il est en costard, en fait, mec. C'est un espèce de bobo à qui va la guerre. Un Parisien, gros. Allez, on y va. Il buvait son verre de vin. Il buvait son verre de vin en terrasse. Il fumait sa clope. Il s'est dit, oula, c'est la guerre. Il a été transporté sur Ravnica. Le mec, il était là en mode pouf, il est arrivé sur Ravnica. Waouh, regardez ça. Ben ouais. Ok, le deck est quand même chiant à piloter pour le coup. Ouais, mais il gagne. Tu vois, genre, on est resté à 19. On n'a pas été inquiété de toute la game. Ouais, c'est vrai. C'était juste un peu lent. T'as bloqué avec des Parisiens. J'ai jump aux Parisiens. Un Parisien contre un ours, tu perds, mais ça occupe l'ours. Ouais, ouais. Parce que quand même, il le bouffe derrière, donc il peut pas piétiner, il s'arrête. Il dépeuse, quoi. Oh là là. Ah, vas-y, botte-moi ça. Botte en touche. Le pire, c'est qu'on peut revenir. Hein. Le paquet est résilient. Ah, mais c'est pas possible! Il a tout, 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 tout. C'est fou. J'en reviens pas moi-même. Ah, c'est le meilleur deck, vraiment. C'est le meilleur deck, c'est fou ça. Mais à chaque fois qu'on joue un deck, c'est le meilleur deck. Ben oui. Comme quoi la méta change à chaque fois. On upgrade. Est-ce qu'on fait pas bouger la méta un petit peu quelque part? On la secoue la méta, on la prend comme ça. T'as là, il est parti, il a tapé decklist mono noir sacrifice. Qu'est-ce que ça joue, ce truc là? Un mulligan. C'est fou quand même que t'es déplayable, hein. C'est pas obligatoire. J'ai que 12 cartes jouables. Deux mulligans. Ah, c'est impossible. Skyrim, The Elder Scrolls, merci. Trois mulligans. Ouh. On n'est pas loin. Ça se tente? Tu gardes quatre cartes là. Ah, ça se tente en vrai, non? Ça se tente ou pas, les gars? Bah, tu peux pas faire mieux, quoi. Bah, je peux faire mieux, mais il y a qu'un truc qui est mieux, quoi. Ah, mais c'est impossible. T'as vu les stats que t'as de piocher la bonne carte? Si tu le top deck, c'est incroyable. Tu sais qu'une fois par stream, il se passe un truc. Hein. Il n'y a que 3 cartes jouables dans le pack. Hein. Oh putain! Mec, c'est incroyable! mais je me défausse avant de piocher ou pas? Ah merde! Oh non! Je perds Galta. Je vais la repiocher, oh, vous inquiétez pas. Oh le con! C'est pas grave, je mets 8! Oh le con! Je m'en fous! Oh le con! Je l'éclate! C'était obligé! Oh mais c'est ouf! C'était obligé que ça se passe comme Mon ça. Dieu. Parce que les gens, attendez, les gens sont peut-être pas tous au courant. Il y a
Mais qu'est-ce qu'il fait le type? En fait, il n'y a que des régisseurs pourrissants, des elfes de la Noire et des Galta. Il n'y a que ça dans le deck. Il n'y a que ça dans le deck. C'est fou. Il n'y a que ça. C'est fou. Que la force de Peter McCalloway. Mais tu sais que là, vraiment, il faudrait que tu puisses montrer ton deck à Lucky Kajit. Ouais, genre, attends, regarde. J'avais que ça. En fait, là, il se dit, mais le type en face, il vient de mulligan à 4. Et il a tout. Et il m'éclate. Et il a tout. Et oui, j'ai tout. Bah ouais, bah GG, t'as gagné. Sacrifié elf. Même pas. Non, je prends 5. Même pas. On refuse. Refusé. Non, je ne veux pas, non. Défausse 2, m'en fous. Aucun problème. Galta ? Dommage. Mais il n'y a pas besoin. C'est non, ça mais c'est fou. Pour le plaisir. Oh, merci beaucoup, Sigriff. Merci 5 subs. Beaucoup pour les subs. Allez, bim, on sauce, nous. C'est fou. Incroyable. Mettez la musique de Jurassic Park. Jurassic Park, pardon. C'est la Jurassic Park, c'est ça. C'est la part. Incroyable.